Et bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode sur le jeu The Long Dark. Donc on est actuellement jour 10, 15h et 29 minutes. Donc petit récapitulatif des choses, je me suis réfugié dans cette cabane, ça fait 10 jours que j'y suis. J'ai tué déjà un ours, un loup, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de viande. Et là, sur le dernier épisode, donc, qui était le jour 8, je me plaignais que j'avais perdu ma hache, mais en fait, je n'avais pas de hache. C'est juste que je ne savais pas qu'on pouvait... Il y avait certaines chaises qu'on peut casser à main nue, d'autres qu'on peut casser avec la hachette. Donc du coup, j'ai quand même réussi, en faisant sécher mes tripes de lapin, à faire ces petits pièges. Donc du coup, je viens ici relever mes pièges. Et après, je vais direct partir. Donc, la mission du jour, ça va être de partir dans la petite cahute qui est un petit peu plus loin, la petite grange, pour aller fouiller, pour voir si j'ai pas oublié des choses, et pour récupérer du bois aussi, du coup. Donc, on y va de ce pas. Je suis prêt, il fait moins 32. C'est jouable. Il fait un peu froid quand même. Au pire, je vais attendre. Au pire, on va attendre un peu qu'il fasse un peu meilleur. J'espère qu'il va faire beau aujourd'hui. Ouais, on va faire ça, je vais aller dormir une petite heure. Petite heure ou deux. Il reste 13 heures. Parce que le souci, c'est que je n'ai plus de viande. Il me reste 2 steaks, c'est tout. Donc du coup, je vais aussi essayer de trouver des carcasses sur la route. Car ce n'est pas un territoire de chasse des loups, donc je pense que avec un peu de chance, il y aura des carcasses. Voilà, alors comment je suis? J'ai faim, j'ai soif. On va essayer de faire l'aller-retour dans la journée, ce qui est largement jouable normalement. Largement, ce qui est jouable. Tac. Ah, mais ce que je voulais faire, c'est prendre une torche aussi. Alors attends, j'en ai une là. Take, ok, voilà. Enfin, une torche. Une lampe à pétrole là. Alors, ça va être un peu tendu, j'espère qu'il fait beau. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Moins 30. Bon, allez, on y va. Sinon, j'irai jamais. Donc du coup, là, il va falloir être sur ses gardes. J'ai vraiment pas envie de me choper. Il y a un lapin là-bas. Du coup, il faudrait que j'aille peut-être poser mes pièges plus par là-bas. Note à moi-même, poser le piège un peu plus loin. Allez, on y va tranquille, on accélère un peu de temps en temps. Pas trop perdre d'endurance au cas où on est à faire un sale détour à cause d'un loup ou d'un ours. Donc je pense que si je vais tout droit, normalement j'y arrive. Puisqu'elles étaient parallèles, donc normalement il n'y a pas de soucis. Il fait moins 29. Bon, il y a un cerf, mais je tuerai avec un cerf qu'au dernier moment. J'ai vraiment pas envie d'utiliser mes balles. Que si vraiment je meurs de faim, j'irai tuer un animal. Mais là, c'est pas encore le cas. Bon, rien à l'horizon. Très bien. Là, s'il y a quelque chose là-bas. Moi, je reconnais la charrue. Ce qu'on va faire, on va s'approcher, on va voir aussi. On va s'approcher par là-bas, ouais. J'ai vraiment pas envie de me frotter au loup. Dans l'épisode 8, on a eu beaucoup de chance de pas se faire blesser déjà, donc on va pas essayer de tenter le diable. Même si j'ai affûté mon couteau, on sait jamais. Ok, alors de ce côté-là, c'est cool.
Ah putain, dans ma seule direction. On va essayer de le doubler. Je commence à avoir froid, mais c'est pas grave. Donc ici j'étais venu tout début, c'est à peu près ici. J'atterris moi un petit peu plus haut là-bas. Donc j'atterris directement ici, mais j'ai pas beaucoup fouillé. J'ai fouillé mais vite, vraiment vite fait. Parce que l'endroit ne me plaisait pas, donc je me suis pas trop attardé. Donc là, il faut vraiment que je fasse gaffe, parce que si le loup il commence à m'aggro, jamais j'aurai assez de temps pour aller jusqu'à la grange là-bas. Ouais, non, c'est bon, il fait demi-tour. Accélère un peu quand même. Donc c'est ici que j'ai trouvé mes flèches. Je possède 8 ou 9 flèches. J'ai trouvé planté là-bas dans la cible. Et on va aller explorer minutieusement l'intérieur, récupérer un maximum de bois, c'est surtout pour ça que je suis venu. Voilà, j'ai du fuel. Voilà, donc ça déjà je peux l'exploser, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça c'est bon. Ah voilà, je savais qu'il y avait des trucs que j'avais pas vu. Je ne possédais pas de lanterne à l'époque. Un petit. Métal. Ok, il n'y a rien. Et regardez dans ce jeu, il y a plein de trucs cachés un peu partout. Ah, je crois que j'avais un... Ouais, il y avait un bidon ici, ok. Il y avait un bidon pour faire du feu. Puisque j'ai passé ma première nuit ici quand même, c'est vrai. Donc là, c'est ça, j'ai déjà fouillé. On voit déjà qu'il y a pas mal de bois ici, donc ça c'est plutôt super cool. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Celui-là, maintenant j'ai de quoi l'ouvrir. Voilà, il était fermé à clé. Oh, du blé concentré. Le grand luxe. Ça j'en ai déjà pour affûter. J'ai pas fouillé là-dedans, il n'y a rien. J'ai fouillé, là j'ai fouillé. On a encore des crates. Ok, c'est parfait. Donc on va exploser. Ben, je vais me faire du bois quoi. Je vais me faire du bois. On va l'éteindre. 1h30. Breakdown. Celui-ci. Breakdown. Oh putain, par contre. Oh, je suis pas bien là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai vraiment froid quoi. Il fait moins 3 là-dedans quoi. Alors attends, j'ai faim déjà. On va manger. Ah, j'ai plus rien à manger. Comment ça se fait que j'ai plus rien à manger? J'ai tout bouffé. Oh la vache. Ah, faut que je reprenne des calories. Ah, faut vraiment que je réchauffe. Hop. Allez, on descend, on va aller au feu en bas, se faire du feu. Ici. Alors, j'ai plus de Tinder, mais c'est pas grave, j'en dois en avoir sur moi. Il faut que je le craft. Tinder, action. Ok. 35%. Oh là 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 là. Close. Tac du Tinder. Je vais mettre du petit bois. Ça marche mieux. Allez. Je porte trop de choses aussi. Un bruit dans la neige à côté. Sûrement un loup. J'ai plus à manger. Là, je vais me réchauffer et je rentrerai chez moi. Et sur la route, on va essayer de buter quelque chose. Firewood, allez hop. Allez, on va se réchauffer un peu. 1h30. Back. Ok. 1h30. On va se sortir le sac de couchage.
Oh là 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 là, ça je peux pas le bouffer ça. Je peux rien faire cuire là-dedans? Non. 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 Oh, je suis très fatigué. Qu'est-ce que j'ai? J'ai bouffé un truc qui était pas bon quoi. Hypothermia. Cold weather. J'ai vraiment une hypothermie. Bon, allez, je tente. Hein. Et qui en fait combien? 6 degrés. Je vais foutre le bois. Je vais foutre du bois. Allez, 2 heures. Et combien de 2h48? Je vais dormir 2 heures. J'espère que je vais pas mourir. Là, je me réveillais. Est-ce la fin de l'aventure? 31%. 31. Bon, par contre, j'ai chaud. Je suis bien. Je suis encore très fatigué. Je suis encore très fatigué. J'ai hyper faim. On va le manger, ça. Ouais, super. Je vais bouffer ça aussi. Mais comment encore? Allez, vas-y. Faut que je reprenne le maximum de force. Je vais garder les deux et je vais boire un petit peu. Je suis toujours fatigué. Il reste une heure. On va redormir une heure. Et on va rentrer sur les trois dernières heures. J'espère que j'ai pas froid. Non, ça va. Pick up. Là, j'ai pris beaucoup de risques. On se casse direct. Je suis comment? Je suis fatigué, mais sinon ça va. Putain, en plus, j'ai l'air de faire un temps pourri, droit. Voilà. Du coup, je vais faire que je rush comme un connard. Là, je vais me faire bouffer. Je vais me faire bouffer par un loup qui va arriver dans le brouillard. C'est clair et net. Je sais même pas si je vais sur le bon endroit déjà. Pour moi, c'est par là. Alors, dans la tempête, je crois qu'il n'y a pas pire. Je suis épuisé, je suis épuisé. Je back. Putain, là, c'est chaud. Faut se battre tous les jours dans ce jeu. C'est chaud, 32%. Oh, j'aurais jamais dû courir. Je me suis cassé en deux. Ah, j'avance plus rien. Vu que je retourne à la maison déjà, ça sera bien. Allez, allez. Donc je vais faire du feu, je vais péter du bois en même temps, ça me réchauffe. Non, je vais dormir. Je vais faire du feu, je vais dormir. Je repéterai du bois en m'en réveillant. Je vais passer la nuit ici du coup. Du coup, je vais me réveiller, je vais avoir la méga dalle. Ça, c'est pas bon, ça. On fait du feu. Du Tinder encore. On va en faire deux fois. On en aura si ça loupe. Voilà, un. On va la deux. Alors, start. Allez. Non.
Ouais, je vais avec des petits bois, je suis couillon, moi. J'ai mis directement un gros bois, un bois moyen, ça le fait pas. Bon, et bien le réveil va être violent. Oh là 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 là, fail, 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 fail. Allez, allez, c'est pas possible ça. Puis je perds de la vie là. Tendu ce jeu. Pourtant j'étais bien et tout là, mais la viande ça part trop vite quoi. Ça part trop vite là. Il faut au moins 4 morceaux, 5 morceaux de viande. Je vais faire bouillir de l'eau, 1 litre. Est-ce que je perds de la vie ou pas? Non, ça va. Allez, allez, allez. Back. On va tout mettre. Donc là, on a 5 heures de feu. Je vais dormir 6 heures. Je vais dormir 6 heures. Non, c'est pas là, c'est là. Ah, je suis dépité. Ah, je suis dépité. Je pensais que ça allait être easy, mais non, ça l'est pas. Ça l'est pas, là, je me réveille en pleine nuit. La nuit, c'est horrible, c'est même pas la peine de sortir. Voilà. 51%, je vais remonter un peu ma vie. Yeah. Allez. 3, 2, 38 minutes. 38 minutes, est-ce que j'ai le temps de péter quelque chose? 38 minutes, 38 minutes. Allez, 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 vite, 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 vite. Il y en a, il y en a un là. Hop, celui-là, il faut combien? Combien de temps? Une heure! Fous de ma gueule ou quoi? Une heure. Petit par là, ça, une heure. Qui a fou là-dedans, y'a rien. Un petit. Ah, je vais crever de faim, je vais crever de faim. Je suis comment? Ça va. J'ai à boire, donc je vais boire. Je suis fatigué encore, je suis encore fatigué. Il fait 45 degrés. Ça va quoi? J'ai enlevé le t-shirt. Il reste donc 6 heures. Je vais dormir 2 heures. On va voir comment. 3 heures. On va voir comment ça se passe. Bon bonus. 3,5 degrés. En plus, je remonte ma vie, donc ça c'est bon. ...58%, toujours faim, 3 heures. Allez, je dors 3 heures. Je trace. Tech. Bedroll. Pick-up. 13 heures. Ok, j'ai faim. J'ai vraiment plus rien. Si, j'ai encore ça. Ouais, ça me file des calories. 300 calories, je suis presque à 1000. Hop, la petite lampe. Du coup, il fait 5 degrés. Je me pèterais bien, je me pèterais bien un coffre quand même. Parce que j'ai tout fait brûler. Que je ne sois pas revenu ici pour rien. Voilà. Ça ira. Ça ira. Trop m'encombrer. Alors, quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Ok, c'est bien. Je suis toujours dans le mal, pourquoi?
Hypothermia, cold weather. Je peux pas me soigner? Voilà, remain above freezing. Ah, faut pas que je gèle pendant 24 heures. Et il fait moins 30. Ça va être chaud encore. Allez, un cadavre, un cadavre. Oh putain, il y a un loup là-bas. Hop là. Alors, suivant comment ça va se passer, je vais faire plus ou moins un crochet, peut-être par rapport à l'épisode 2. Là, cet épisode est assez long, d'ailleurs. Je pense que je vais pas mal couper. Voilà, je suis déjà en surpoids. Je suis déjà à moitié de mon froid. Je peux monter là. Allez, monte, monte, feignasse. Ouh, il y a un loup. Je suis déjà fatigué? C'est sérieux? Putain. Ah là 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 là, je suis mal. Pourvu qu'il y ait des lapins sur moi. S'il y a des lapins, c'est bon, c'est gagné. S'il n'y a pas de lapins, je vais mourir. Je vais mourir direct. Puis qu'est-ce qu'il vient faire par là aussi? 64%. Il est trop près ce loup. Là-bas, il y a un loup qui chasse. Je crois qu'il m'a vu. Non. Allez, allez, allez. 61%. Ça va être tendu. Mais je pense que c'est jouable. Je suis plus très loin. Je suis comment? Je suis en train de friser. Oh là là là. J'aime pas voir tout ce rouge sur ma barre de vie. Je vais même pas planter le lapin là. Qu'est-ce que je fais? Je le tue ou pas? 57. Putain, oh là. J'ai vraiment plus rien à bouffer en plus. J'ai encore à boire, mais j'ai plus rien à manger. 55, on va passer au piège. Là-bas, je vois rien. Là aussi. Ils sont trop près de la maison, je pense. Ou alors, c'est méga rare d'attraper un lapin. 53%, 52%. Allez, avance! T'es trop fatigué. Oh, y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien. Bon, mais voilà ce qui clôt cet épisode. On est très mal, hein? On est très mal. On est très mal. Le prochain épisode va commencer sur les chapeaux de roue, les amis. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.